Alors, je suis donc né à Paris le jour du premier bombardement de Paris, le 20 mars 1915. Alors, j'ai fait politique. Il fait qu'en sortant de Polytechnique et de l'école de génie maritime, j'ai été nommé à Cherbourg. J'étais à Cherbourg à l'arrivée des Allemands, chargé de 4 bateaux, 4 sous-marins. Et que j'ai réussi à faire passer en Angleterre, et je suis passé en Angleterre avec eux. Et comme j'ai continué le combat, alors que la marine française entrait tous en France, j'ai été considéré comme déserteur, et donc condamné par un tribunal militaire à la peine de mort, à la dégradation militaire, aux travaux forcés à perpétuité, et à la confiscation. Ce n'est pas tellement les Allemands que je combattais. Mais le nazisme était inacceptable, inacceptable. J'étais en Autriche, je savais que j'aurais à faire la guerre aux Allemands. Donc j'avais été en Autriche pour apprendre l'allemand, et j'étais en Autriche, dans Salzkammergut, quand les Allemands ont assassiné Dollfuss, qui était chancelier autrichien, donc j'ai vu ce qu'était le nazisme. Et donc j'étais là quand les Allemands ont assassiné Dollfuss. J'ai essayé d'aller à Vienne pour m'engager dans les troupes d'assaut anti-nazis, mais ils ne voulaient pas prendre d'étrangers. Donc je suis rentré en France et j'étais ensuite horrifié par la conférence de Munich où tous les Français disaient « Mais non, vous savez, il faut être gentil avec les Allemands, gentil, vous allez voir, ça va s'arranger. » Ils se sont fait avoir comme des enfants, mais ils ne voulaient pas se battre. Donc, moi, je suis passé en Angleterre. La majorité de la marine française est rentrée pour se mettre aux ordres du maréchal Pétain. Moi, j'ai pas voulu. Et donc, mon baptême du feu, ça a été par 3 fois des Français qui me tiraient dessus. Parce que je voulais pas suivre Pétain. Où étiez-vous en juin 1940 ? À Cherbourg. Où j'étais chargé, j'étais à l'arsenal de Cherbourg comme ingénieur du génie maritime, sur les sous-marins, Orion, Ondine, Minerve et Junon, que lorsque les Allemands sont avancés pour moi pour aller à Cherbourg, j'ai réussi à les faire partir sur l'Angleterre, remorquer. Et je les ai suivis, c'est ce qui m'a amené en Angleterre. Mais comme pour moi le nazisme était inacceptable, de Gaulle ou pas de Gaulle, je continuais. Alors j'étais heureux qu'il y ait un Français qui nous rassemble. Mais si De Gaulle n'avait pas été là, je continuais de toute façon au besoin sous uniforme anglais. Car le nazisme était inacceptable. Et je ne comprends pas les Français qui, avec le maréchal Pétain, sont restés tranquillement avec les nazis. Et comme a dit cet immonde Pétain, quand il a serré la main d'Hitler dans l'honneur et entre soldats, dans la marine, on doit théoriquement obéir. Obéir à tout ? Non. Je disais aux élèves de l'école navale qu'il y a certains cas où il faut désobéir. Si on vous donne un ordre contraire à l'honneur et contraire à ce qu'on estime essentiel pour son pays, on doit désobéir. Si on vous donne des ordres contraires à l'honneur, contraires à la droiture, il faut désobéir, quitte à y rester. J'étais second d'un petit aviso dans un très dangereux convoi qui remontait de Gibraltar vers l'Angleterre, où presque tous les bateaux ont été coulés par des sous-marins allemands. J'étais le dernier bateau du convoi. On est arrivé sur une dizaine de rescapés qui étaient dans l'eau et les ordres étaient en général de ne pas s'arrêter, c'était trop dangereux parce qu'on risquait d'être torpillé. Alors que quand on est arrivé au milieu de ces naufragés, j'ai dit à mon commandant, qui s'appelait Bourgil, « Commandant, il faut vous arrêter pour ramasser ces gens-là. » Il m'a dit « Je vous l'interdis. » Alors je lui ai dit « Je prends le commandement. » On les a ramassés. Alors il m'a dit, vous passez au conseil de guerre, enfin évidemment il n'était pas content. Est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort?
J'estime que j'ai eu raison parce que ça a marché. Mais si j'avais eu tort, je ne serais pas aujourd'hui ici. J'aurais coulé avec le bateau. Alors, quelle réaction. Parce que vous voyez, mon pauvre pays a dégringolé dans ce désastre. Et ensuite, j'entendais les Français chanter « Maréchal, nous voilà !» Quand je pense que le maréchal Pétain, cet immonde individu, a osé aller serrer la main d'Hitler à Montoire, dans l'honneur et entre soldats, dans l'honneur avec un gars comme Hitler, et entre soldats alors qu'Hitler n'était pas soldat du tout. Et tout ça par faiblesse, non, ça va s'arranger, ça. Alors c'est difficile à concevoir maintenant, parce que... Est-ce que vous pouvez nous dire les missions ou les combats que vous avez fait pendant cette période? Je suis passé au sous-marin. Je parais à l'intérieur des fjords de Norvège, et pour aller dans ces fjords, il fallait passer dans des champs de mines, alors on passait dessous. On entendait quelquefois les orins de mines qui frottaient sur la coque. Et moi j'ai toujours beaucoup admiré les équipages de sous-marins, parce qu'on ne prenait que des volontaires. Que des volontaires. Et bien, ces gens-là faisaient ces patrouilles. Quand on partait en patrouille, on avait une chance sur deux de ne pas revenir. Ils n'ont jamais... Ils pouvaient débarquer quand ils voulaient. Ils n'ont jamais fait. Pour faire. Oui, parce qu'on prenait au sous-marin, on prenait que des volontaires. Indispensables. Parce qu'il ne fallait pas que le gars panique. Un gars paniquant dans un sous-marin peut faire des bêtises, et en général, tous les sous-marins allemands qui ont été coulés, c'est qu'il y a eu une erreur à bord. Donc on ne prenait que des volontaires, et si jamais parmi ces volontaires, on en trouvait un qui paniquait, ou bien qui ne faisait pas assez attention, il était débarqué aussitôt. Trop dangereux. Il fallait les former souvent, et ceux qui étaient formables et qui l'acceptaient restaient, les autres non. On ne peut pas prendre de risques. Parmi les hommes de quart, il y avait trois équipes qui faisaient le quart à bord, donc ils dormaient dans ce qu'on appelle les banettes chaudes, c'est-à-dire qu'il y avait deux lits pour trois bons hommes. Les chiottes fuyaient souvent, il n'y avait pas de frigo. C'était donc des aliments déshydratés ou en boîte. C'était très rudimentaire. Pas d'eau pour se laver. Très rudimentaire. D'ailleurs, quand on rentrait à terre, on se sentait mauvais comme tout, parce qu'on ne se lavait pas. Il n'y avait pas de possibilité. On gardait un pantalon propre et un tricot propre pour rentrer. Quand on rentrait, pour faire bien. Mais on sentait mauvais. Quand les Russes se sont emparés de Berlin, on a su que c'était la fin. J'étais content que le nazisme soit éliminé. C'était inacceptable comme système. Et puis quand même, c'était un soulagement. Et puis, je pensais ne jamais revoir la France, parce que normalement, en 40, j'aurais pas dû survivre. Alors quand j'ai vu la France, je me rappelle toujours la première fois où j'ai revu Paris, c'était... J'en tremble encore, là. Normalement, je n'aurais jamais dû le revoir.